Pendant longtemps, on a accusé les gens qui étaient complotistes, c'est-à-dire qui remettaient en question l'histoire officielle. On a accusé les gens qui critiquaient la société de manière générale, et on a accusé les gens qui sont les gilets jaunes d'être des terroristes d'extrême droite, radicaux, complètement arriérés, dangereux pour la société, et profondément racistes, xénophobes, antisémites. Mais en fait, tout ça est faux. C'est une fake news du gouvernement pour valoriser sa dictature oligarchique. Voilà, il est permis à tout un chacun de dire, écoute, celui-là, oui, j'ai vu, mais en fait, c'est un extrême droite, il a tort, c'est un nazi, c'est un germain, c'est un allemand, ne lui faites pas confiance, ou encore, même des fois, c'est un gitan, c'est un tzigane, c'est un juif, ne lui faites pas confiance, ou encore, c'est un blanc, ne lui faites pas confiance, ou encore, c'est un arabe, ne lui faites pas confiance, ou encore, c'est un turc, ne lui faites pas confiance, ou encore, c'est un kurde, ne lui faites pas confiance, ou encore. Vous avez compris, j'en ai ma claque. Le racisme, c'est fini. Arrêtez de dire que les gens, parce qu'ils sont de tel ou tel bord, ils ont forcément tort. C'est pas ça la vérité.